Salut à tous, salut les amis, soyez bienvenus sur ma chaîne YouTube Morgan James Gray. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo unboxing. Et c'est un unboxing sur le steelbook du film animé Wonder Woman Bloodlines. C'est le dernier film de DC Comics qui vient de sortir là, aujourd'hui. Donc, je ne connais pas du tout. Ça fait au moins. Au moins 4 mois que j'achète les films DC Comics animés en steelbook et je les déballe juste pour faire l'unboxing. Je les ai toujours pas regardés, là je sais même pas de quoi ils parlent. On va regarder ça, en tout cas le steelbook il a l'air vraiment canon. Le film aussi il a l'air d'être bien, j'ai même pas regardé la bande-annonce pour vous dire. Je suis un grand fan de DC Comics et franchement les films animés c'est les meilleurs films DC Comics en fait au monde. Donc à chaque fois j'achète le steelbook. Parce qu'en fait, le Blu-ray normal, il coûte 14 balles. Le Steelbook, il coûte 14, enfin 15 balles pour un euro de plus dans le Steelbook. Donc, à chaque fois, je me dis, bon, bah, allez, on va prendre le Steelbook. Hein. Donc, alors, il y a Cheetah en plus. Et mes jeux de Wonder Woman, la protection dans ce monde, quoi qu'il en coûte. Et en bonus, on a. Donc j'ai lu un petit peu. Court-métrage de série, des personnages. Death et met en scène un jeune gothique guidant les défunts dans leur voyage expiatoire. On a décisivement l'au-delà. En bonus, on a. Un aperçu du prochain film de DC Universe, c'est le Superman Red Swan. Qui est plutôt cool. Enfin, en tout cas, le comics Superman Red Son, il est cool. Ça se passe à l'époque Russie. Enfin, à l'époque Russie, ça se passe durant la guerre froide. On se retrouve avec une belle finition glossy brillant. Ça, c'est bien ça. Alors, tac, hop. Alors, on enlève le fameux petit carton avec les crottes de nez. Tac. Hop. Voici le devant, hein, toujours aussi simple, avec toujours le petit logo DC Comics. La tranche sur le côté, hein, vous avez Wonder Woman, Bloodlines. Et là, vous avez les ennemis qu'on retrouve dans le film. Hein, donc, Cheetah, Docteur. Comment ça s'appelle et le de nom comme ça je me rappelle plus non plus. Alors j'ai un petit coup, donc c'est une petite crotte qui est collée ou c'est un défaut du boîtier. À mon avis c'est plutôt un défaut du boîtier parce qu'en fait il manque de la couleur. Quand on regarde, petit défaut du boîtier, bon c'est pas très grave, hein. C'est juste un petit point, c'était sur toute la tranche. Hop, alors quand on ouvre le steelbook, ben on se retrouve sur le fameux Blu-ray. Et ben après, ben, c'est énorme. Hop. Donc voilà, c'était un unboxing sur le film Wonder Woman's Bloodlines. Je vous dis à très bientôt. Désolé encore pour ma chaîne qui est un petit peu en suspens parce que j'ai pas vraiment le temps. Mais je vous promets du très très lourd en fin de semaine parce que il y aura le boxing du collector de Death Stranding, le collector avec la figurine du bébé, etc. Vous allez kiffer, moi je kiffe, j'ai déjà testé le jeu. Donc le jeu il sort que à partir de vendredi, le 8 novembre. Mais j'ai déjà testé en avant-première et franchement je peux vous dire que le jeu c'est du très très lourd, c'est du grand Kojima. C'est la nouvelle saga de Kojima et c'est 10 fois mieux, franchement c'est 10 fois mieux que Metal Gear. Vous allez comprendre pourquoi quand vous allez avoir à mettre en main que du très très lourd et franchement je me disais ouais le collector il est un peu cher, il est cheap mais franchement je suis content de pas avoir annulé mon collector et ben je vais vous présenter le collector ben, d'ici quelques jours. Allez, moi je vous dis à très bientôt. Allez, salut.